Bonjour VOD. On a déclenché une cinématique en dormant à cause de ce qui s'est passé, donc je vous la montre. The field team reported him missing months ago. You are prolonging the inevitable. Wendell, wherever he is the only hope for these kids. I'll make the delivery to his yard discreetly. No one is even going to know. Oh. I hope you know what you're doing. C'est notre case là. C'est la boîte du début. Donc en fait nous, oui c'est ça parce que nous, l'autre il voulait ni mais nous tuer en fait, quand il a dit ouais ils sont licenciés machin. Non mais non, on est que des gosses hein, donc on n'a pas question de licenciement quoi que ce soit, il parlait de licenciement non, du mais docteur façon de Tully. Parler. Non mais il parlait du docteur Tully, et Wendell Tully, c'est lui qui a été licencié. Je pense oui, que non, nous on est une expérience et c'est qu'en fait ils n'ont pas du tout l'intention de nous rendre notre taille, ils savent peut-être même pas comment faire. Et du coup faut nous envoyer à docteur Tully, non, pour le retrouver et se transformer. Non mais ça oui c'est ce qu'elle a fait elle, enfin c'est ce que du coup elle est gentille et tout, enfin elle veut pas nous voir mourir mais l'autre là à la base c'est ça, il a fait un test sur nous et il a dit et en fait on était plusieurs à ce moment là, on était deux, tu sais, on se voyait même, enfin on voyait deux personnes et je pense qu'on était déjà des enfants comme tu dis, je pense qu'on était déjà l'expérience un petit peu le test. Mais je pense que le gars avait prévu de nous tège, tu vois, lui de... Oui voilà quoi. Bah, surtout et savent, du coup maintenant bah... savent tout simplement même pas comment nous retransformer de toute façon. Ouais voilà, et sachant que l'autre, en fait le docteur Tully, je pense que c'est ça, on servait de test, genre il va peut-être envoyer une vraie équipe ensuite après pour rechercher le docteur Tully. Ouais, ou pour s'en servir autrement, enfin voilà. Ouais. Mais alors, je comprends tout ça, mais il y a un truc que j'aimerais comprendre, il y a dû se passer d'autres choses, qu'on verra peut-être plus tard. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est que je me dis, c'est un peu bizarre que, bon, du coup, ok, le fait que la maison soit tranquille et tout, mais ça m'étonne que genre on soit pas un peu sous surveillance, tu sais. Bah, peut-être de la dame, parce qu'en soi... Parce que le jardin, clairement, il y a le docteur Tully, donc il devrait au moins chercher le docteur Tully, même si nous, ils savent pas qu'on est là, parce que la scientifique nous met discrètement, tu vois. Et non, parce que lui, il est licencié, donc il s'en fout. Ouais, donc il s'en branle, en fait. Et c'est bizarre, parce que... Genre, ils lui ont volé sa technologie, enfin... Il y a des recherches et tout, c'est lui qui a trouvé ça, je sais pas, son truc. Ça m'étonne, tu vois. Si je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, par contre, j'ai essayé de lire un petit peu au début, mais j'étais un peu pris de court, je sais pas trop le désaccord qu'il y a eu entre eux. Je sais pas. Mais en tout cas, ils s'en foutent de sa gueule. Ils lui ont sûrement piqué sa formule. Ouais, je sais pas. Tout n'irait pas. Là où il y a les punaises ou la table de pique-nique, tu choisis. Ou alors c'est eux qui ont transformé le docteur Tully. C'est pour ça qu'il est tout petit lui aussi. Voilà, Prio. On sait pas. Peut-être les punaises, en vrai, viens, on va aux punaises. T'as une lampe dans la main, tu dois l'enlever. Il vient juste de se mettre. Je vais m'avancer un peu grâce à la tyrolienne. Ok. Je vais essayer ce duo pour s'appuyer, même si je pense pas parce qu'on a l'air d'aller vite. Et là, ça va être sur notre droite, quoi. Intérêt à voir. Ok. J'ai sauté là. Je commence à y aller. Tu me rejoins ? Ouais, je suis en train. C'est juste que je fais du tri un peu parce que. Je comprends pas toujours mon inventaire. Alors. Feeling refreshed. Ah, c'est avec S pour changer de direction, ok. Ah oui, il y a un petit puceron dessus, c'est trop dégueu. T'es où toi, Envy? Moi je commence à aller aux punaises là. Enfin... Mais c'était où t'es, Gérard? Ah ouais, t'es là-bas. Allô. Vers la fourmilière, je me rappelle.
Je te rejoins. Ouais, je suis pas loin. Ou alors, ceux qui ont fait l'expérience sont tout petits aussi. Tout le monde a été réduit ? J'y crois moyen. Putain, non, on va aller. Attends. Pas du tout au bon endroit là. Non. Ah si, je vois la petite mare. Dans quoi ? Bon, je t'attends. C'est des nouveaux endroits de toute façon. Oui, c'est vrai. Il y a de l'araignée et tout. Bon, l'araignée, on les affronte maintenant. Oh, j'ai pas. Ah, il faudrait buter un moustique si on en voit. Oui. J'ai combien de flèches ? J'ai 80. Ça. Voilà. Okay. C'est là à gauche, fais gaffe à l'araignée. Mmh. Une araignée qui s'est fait prendre une fourmi. Oh. Et on la défend. Ah, c'est bon. Ah, elle a réussi. Elle est trop forte. Elle peut porter 1000 fois son poids. On est sur la partie gauche du truc, d'accord. Oh, mais c'est pas mal en fait. En fait, c'est un peu de là qu'il aurait fallu partir. De toute façon, on va y arriver là où on était. Si, si, si. Une abeille. Non, mais je parle pas de l'abeille. Ah, ça. Mais une porte. Je sais pas s'il y a un truc. Attends, avant de le faire, attends, viens de mon côté. Parce qu'il y a des bombardiers de ton côté. Et il faudrait regarder dans les données s'il n'y a pas. Parce que t'as compris ce que c'était ou pas du tout? C'est un petit jeu. Ouais, regarde, attends. Je monte dessus. Monte sur le truc de gauche. Oh, c'est trop bien. Tu peux monter sur celui de gauche toi pour faire l'autre direction. Oh putain. Ça va être super dur. Ça. Tu voulais faire quoi? Je sais pas. Tente un truc. Mince. Ah, tu te fais attaquer, fais gaffe, oui. Sors de là. Fourmi à nous regarde. Ah, mais t'as pas l'armure fourmi rouge? Bah non. Oh putain, elle a attaqué. Bon, c'est bon. Ouais. Il y a fait un deuxième bombardier derrière toi. Oh, il me vénère de terre lui. Il est mort. Ok. Putain, il y a un autre direct là. Ouais, ça marche bien de lui tirer dans le cul. Il est sensible. Ok. Donc, est-ce que tu penses que c'est juste un jeu ou qu'il y a un truc? Il y a maintenant qu'il y a un truc quand même. Ça semble difficile quoi. On peut mettre une autre couleur. En plus, tu pourrais même pas le réussir solo. Ah bah si, mais ça serait long. Oh, une dent! Une dent dans une petite marque qu'on connaît pas. Locke, si tu veux venir voir, il y a peut-être des trucs dedans. Ok. Oui, d'accord. Bien vu. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans la flotte, j'ai vu. C'est non. Con. Il y a peut-être un scab ou quoi, mais je crois pas. Donc le nain. Le petit machin. Ah, The Tullys. Il est personnalisé. Ah, il y a un moustique, tiens. On est au nord, c'est parfait. J'arrive, on va tuer.
Merde. Ah, t'es qu'une pioche au total. Nickel, je peux réparer. Hop, répare. Voilà, merci. T'as besoin de toi pour réparer ou ça va? T'avais fait à la base. Réparer avant, ouais. Ouais, ok, moi j'ai pas pensé. Des bestioles là-bas, y a beaucoup de choses là-bas. Je regarde un peu autour du truc, du bonhomme. Il y a un moustique qui est bloqué là. Oh, je l'ai tué. Il va se débloquer, tu vois. Ah, il était pas bloqué, ouais. Il a l'air complètement dans le... Je me balade en plein tous les... Ah, j'ai de la science. On cherche un peu ici. Robuste. T'as coupé la caméra d'exploit? Ah oui, mince! Je la coupe pour la cinématique, mais j'ai oublié de la remettre. Tu devrais pas faire ça, je pense. Mais tu es pour vivre la scène, tu vois. Ouais. Vive quand même. Mais j'avoue, oui, j'ai oublié de la remettre. Oh merde. J'ai trop moustiques qui m'attaque, c'est compliqué. J'en ai un, mais ça va, ça. Je suis content pour toi. T'en sors ou tu fuis toi pour le moment? Ah bah j'ai fui et je tape quand même pour mon régène. Ah bah il est parti, putain, toutes mes flèches. Oh, il y en a dedans. On n'a jamais été là, donc forcément des trucs avec. Moi je suis un petit peu près derrière là. Oh, t'étais. Ah, une petite. Oh non. Une araignée loup. Je sais pas si elle garde un truc ou pas, elle est dans une grotte. Je sais pas essayer de... Oh non, mais j'en ai marre. J'essaie de venir te chercher. Voilà, on va explorer. Ok, j'y arrive. On est pas très loin. Je vais tout le temps. Ah, c'est là, là. Vers la cour supérieure. Ah bah d'accord. Mais bah, c'est comme ça qu'on y va. Ouais, et c'est là que j'ai trouvé là-dedans. C'est sous la feuille. Enfin derrière. Et regarde, c'est là-dedans. Je l'ai entendu ronfler, parce que j'étais au-dessus. Je sais pas, regarde. Je sais pas s'il y a des trucs dedans. Je sais pas. T'as y voir. Faut que j'aille voir moi. Ouais ouais. Par là. Bah y'a rien. Ça se voit comme un derrière. Mais t'avances comme ça devant toi. Tu peux même te mettre là. Non non, fais gaffe. Y'a rien du tout derrière, y'a pas de bombe ou quoi. Non c'est bon.
Ok. Non, je mets ma torche. Je vais partir. Donc c'est par là qu'on monte. J'ai rien vu, franchement. Okay. On pourrait toujours après la grue et essayer de vraiment bien fouiller. Ah, il faut quand même un rocher. Comment t'as monté ici? Une bombe. Bon, tu peux rien. Par l'intérieur. Attends, quoi? J'ai 5 bombes? Ah oui? J'en ai visé 2. Ah, j'en ai peut-être trop looté dans le labo. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, on rigole un peu. Ouais. Bon, après, on montera pas forcément parce qu'on a des choses à regarder en bas, mais. Moi, on sait qu'on a débloqué. Et finalement, en fait, c'était tout con. On était, pas de... ouais, au niveau de l'histoire, il y avait une bombe, quoi. Ok. Bon, bah, on repart. Oh, attends, regarde un peu. C'est un putain. Non. On finit d'abord le bar parce qu'on n'avait pas tout fini d'explorer. Et on ira en haut après. Tu sais, comme ça, on pouvait finir. Même en vrai, faut finir la table de pique-nique en fait avant de monter là. Tu vois, je pense. On avait fini la table de pique-nique. Non, après, il y a des abeilles, quoi. Des choses à faire autour en bas et tout. Pas des ressources à choper, quoi. Bah, même moi, ouais, peut-être des dents, des trucs intéressants. En plus, là, on peut. Je sais pas si on peut, vu qu'on n'a pas. De toute façon, on s'approche de la table. Ouais. Non, mais c'est en fait c'était le fait de faire tous les coins en bas, pour être sûr de rien. Oh, l'herbe est toute cramée ici. La musique a changé. Herbe brûlée. Ça me donne une ressource? Non, ça l'a fait des pop. Une punaise. Une punaise, ça, elles sont moins fortes hein, quand même. Comme... On disait que là, un peu. Qu'au début, laisse tomber. On rappelle que quand on avait joué à Grounded, la punaise c'était limite le mob le plus dur du jeu. Avec l'araignée loup, évidemment. Je pense qu'on avait même jamais tué d'araignée loup, peut-être qu'on les avait. Est-ce qu'il y avait les araignées loups? Il n'y avait pas que les jaunes? Je sais plus. Ah, t'as raison, il y a peut-être que les jaunes. Franchement, je sais plus. Ah non, il y a un mixeur là-bas. Ouais. Trop dur les mixeurs. Et coucou Royal, il est pas là Royal. Et il s'est pas levé. Oh, ça c'est nouveau ça. Wow, that bug looks almost beautiful. Vous trouvez quoi? Un petit insecte vert trop joli. Ah ouais? Ouais. Il s'est enterré, mais il était dans le coin. J'ai pas eu le temps de le scanner. Ah, je t'ai vu faire coucou. Non, c'était à vous que je faisais coucou. Enfin, à la VOD, puisque j'avais pas encore dit bonjour à la VOD en physique. C'était pour vous, c'était juste pour vous. Pour toi la VOD. Rien que pour toi. Il y a des mobs dans la cendre. Oui. J'ai vu ça. J'ai envie de déterrer. Ouais, mais c'est vrai que je me suis dit d'ailleurs, on a peut-être même jamais scanné les asticots là. Quoi? Oh bah super. Oh les dégâts! C'est quoi? Larve de coccinelle agressive. Sensible empalée. Nice. Ah oui, en effet. Moi aussi je suis sensible empalée. Larve de coccinelle agressive. On déconne.
Mais le même truc que d'habitude, mais l'ennemi est plus fort, quoi. Bon, faut faire gaffe, on voit les émanations de chaleur. C'est vrai. Ouais, faut pas s'approcher, j'imagine. Sinon, on crame. En train de griller, elle dit. Ah oui. Ah d'accord, t'as une barre en fait. Grésillement. Grésillement. Oh, ça va très vite. Oh, ça va très très vite. Oh, il y a des araignées là-dessous. Oh là 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 là. Oh, il y a une dent en or. Ouais. Tu crois que tu peux y aller discrètement? Ouais. Moi, j'ai pas envie de grésiller par contre. Oh là, je grésille, je grésille. Peut-être passer par l'autre côté. Je vais faire un gros détour parce que le grillage me tue là. Est-ce que je t'ai apporté pour entendre son ronflement? J'attends là. Mais tu meurs, je crois. Pourrais rien faire. Y'a deux araignées, quoi. Elles t'attaquent en fait. Déjà qu'une. Si tu meurs, bah, bisous. Peut-être une si on se préparait. On l'a poulé de très loin. On avait du temps pour kite un peu. On tapait tous les deux à l'arc. On enchaînait bien et tout. Et encore, je pense qu'on a un combat difficile, tu vois, avec beaucoup de conso. Et encore, ah, t'es trop loin. Je sais même pas. Ouais, je t'attends là. Je peux passer par là, tu penses? Ouais. Oh non, il y a des larves. Blocage, magique. Non, mais je grésille d'ici là. Ah, donc tu pourras pas? Non, je pense pas. Je vais essayer, mais. Okay. Quand tu atteins grésillement, je sais pas si tu l'as eu en entier, genre ça descend progressivement, tu crames instantanément, tu sais quoi? Ça fait descendre ma vie, doucement. Ok, ça va. Ça va trop. Ouais. Bon bah, laisse tomber alors, tant pis. Ah oui, c'est sous le barbecue, ça doit être full chaleur et tout, non? J'y suis. Ok. Est-ce que quoi? Ah, il y a une abeille. Putain, mais c'est limbo. Hop, tac. Nice. Et t'as pris la. Attends. Faut que je boive. Je vais faire un retour parce que je vais sauter donc ça va peut-être les réveiller. Ok. Faut que je boive parce que ça donne très soif aussi. Logique. Air brûlé, ouais, ça fait rien du tout. C'est bon. Oh, nice, oui. Ok, bon, c'est bon à savoir que ça peut, on peut faire ça. Ouais, ouais, j'étais vraiment dans la grotte près de chez nous, j'avais vraiment testé. Vu que je savais que je pouvais fuir facilement, bah, quand t'es dehors, madame Berg, quoi. Et surtout, t'as vu, en dessous la table de pique-nique, là... Ah, mais c'est dans le bac à sable, il y a une puce. Mais comment on pourrait y aller dans... En fait, faudrait trouver un bac à sable. C'est la dernière étape, le bac à sable, hein. Ou c'est peut-être depuis ici. Genre depuis non, j'ai compris. Tu te rappelles les poubelles qu'on avait vues derrière le bac à sable où on fait grimper en haut? Mm-hmm. On pourra clairement aller dans le bac à sable de là. Ok. En vrai, faudrait qu'on aille là-bas. Mais sur le nain de jardin, il y a un truc, hein. Ah, mais oui, il y a un truc. Ah non. Oh, je vois rien. Où ça? En fait, non, mais dans sa main, ça fait de la lumière, je sais pas. Ouais, dans sa main, il y a peut-être un truc, t'as raison. Je vais essayer avec une cloche, bon, ça fait rien. On peut pas monter. On peut pas monter, quoi. Je vais essayer d'aller me rapprocher de lui pour. Oh. Je porte. Ah, oui, il est pas malade. Ah, c'est un normal, il est pas maladif. Ouais. Ah, oui, il est maladif qui est près des poubelles, quoi. D'accord. Le pauvre. Mais viens, faudra retourner aux poubelles. En vrai, qu'on monte sur les poubelles, qu'est-ce que t'en dis? Comme ça, on aura accès au bac à sable. Eh, mais là, je peux pas descendre facilement, j'ai plus de pissenlit. Bah, on était pile poil à l'endroit où. Regarde là, Lox. Ça, je te mets un marqueur. Ok. C'est là la descente, c'est pour ça que je suis descendu là. Bon, j'ai un pissenlit de toute façon, mais.
On profite, je commence à m'y rendre et j'essaie de me balader à divers endroits pour voir si on peut trouver des dons, trop de cailloux, tu vois. Ok. Tu retournes à la place avant d'aller sur la table? Non. On n'est pas loin, on n'est pas hyper loin en plus. Ah, tu fais les poubelles d'abord? Oui, je pensais, c'est vrai que je pensais ouais. Que tu passais par la table avant. Je pense vachement mal, c'est ouf. Les messieurs lèvent un trop de bruit. En fait, je t'écoute pas. Non, c'était du chiol. Mais elles font un bruit de dinosaures. Bonne nuit infernale, des bisous. Demain, en fin d'après-midi, c'est Among Us. Voilà, voilà. Ouais, VR. Non, pas VR. Avec toute l'équipe VR. Non, il n'y aura pas de gens verts. Bah oui, hein, mais on fera ça, on fera ça. Tu cherches pas des gens, Si, si, mais c'est que là, tout de suite, ça sert à rien de commencer à enjailler les gens alors que je pars une semaine. Non, mais ça, c'est... Donc on a une date, même si c'est dans un mois, c'est cool. Ouais, mais on peut pas fixer une date dans un mois, c'est toujours de savoir si tu seras dispo. Si t'auras pas un truc, si ça... Parce que je comprends qu'une soirée Among Us VR, ça passe après plein d'autres trucs. Ah justement, je pense que c'est assez cool. Ah oui, bien sûr, mais carrément. Puis c'est une priorité dans les gens, en mode, non, pas de resto ce soir. Non, je ne m'occuperai pas des enfants non plus. Non mais genre, imaginons... Enfin, elles sont 15 fourmis, elles sont vraiment 10 là. Imaginons, t'as ça qui est prévu et hop, en fait t'as un anniversaire ce soir-là. Enfin, tu vas à l'anniversaire. Je dis c'est pas faire ça, c'est un suivi. Non, c'est Among Us, on a parlé plusieurs fois de faire... Ah mais... Among Us VR. Qui troll. Oui non mais je dis faut prendre First Class sur Epic Games, ça c'est vrai. Ah bon? Oui. Bah c'est un jeu de trahison trop cool où on joue souvent. Ah mais First Class Travel. Ouais, il est gratuit sur Epic. Oh. Je peux le prendre mais jamais joué. Prends-le quand même. Pas le doute. Tout le monde, je vais chier tout le monde pour que tout le monde le prenne comme ça si on veut jouer avec du monde. On peut, et ça se trouve un jour il y aura une nouveauté sur le jeu qui te donnera trop envie, tu viendras jouer. Ouais mais tu veux pas jouer à Codename plutôt parce que moi j'y joue souvent. À Codename, ça y est, tu veux y jouer? Non. Pourquoi t'es... Alors ça s'il est pas... Ah, attends, c'est bientôt. Hein? Il est pas encore dispo, il sera bientôt demain. Dispo. Demain à partir de 17h comme d'hab. Tu m'as rejoint? Ah oui, t'es là. En fait, on aurait peut-être dû juste faire notre quête aussi, ça aurait été pas mal. Laquelle? On doit tuer 5 fourmis rouges soldats. Ouais, c'est vrai qu'on y est pas tout. Après, il y en a une très proche de l'arbre. Ça va. Attends, fallait aller dans la poubelle. Comment on avait fait après? On avait été sur la gauche, je crois, non? Oh merde! Si tu me casses. J'ai pas pris mon casque. Better safe than sorry. Mais comment ça se fait que je l'ai posé? Je l'ai jamais posé mon casque. Ah, il est là. Non, ça va. J'ai eu peur. Tu dis par où que j'étais monté? Bah, je sais pas du tout. Moi, j'étais pas monté tout aussi haut que toi. Oui, mais quasiment, j'avais fait. La sorte rapide n'est pas dispo pour se faire embarquer dans un truc qu'il n'aime pas. Ça peut servir. C'était vers la gauche. Mais si, il adore First Class. Il aime bien First Class. Il adore qu'on aime, mais il aime bien First Class. C'est trop belle quand même. Qui? Rapide. J'avais monté sur le rebord là, j'étais pas allé. Ah, je me rappelle, c'est là où la glacière est branchée. Donc ouais, viens, par là. Je crois. Oh la vache.
que tu n'es, Nim. Et de chercher le bord, quoi. Il m'a permis de partir, je crois que c'était par là. Oh, j'ai sauté, on verra bien. Ouais, je pense que c'est là. Ouais, c'est là, c'est bon. Souvent, le pro, il se retrouve à faire le bouche-trou parce qu'il manque un joueur. Il le fait aussi, mais des fois, il veut quand même bien. Mais il joue pas longtemps, parce que souvent, il veut bien nous aider pour un jeu. Ouais, non, j'avoue, il fait le bouche-trou. Mais parce qu'il est trop, sympa. Lox, t'es où, là? Bah, en fait, je sais pas par où t'es passé, il fait nuit, du coup, je te vois pas. Oh, non. Donc, et t'as deux points en plus sur la carte. Du coup, bah, je suis souvent ton point. Non. Ah, si. Là, je suivais ton point, par exemple, au lieu de toi. Il n'y a pas une grosse différence. De toute façon, viens, c'est là. Mal au toit de courir. Tu colles là et tu... Monter au câble, c'est ça? Oui. Non, là. Pour le tas de merde. Voilà, j'ai... vers la droite. Mais je tombe. Mais il n'a pas l'air du tout fait exprès. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci Morgane, merci beaucoup. T'accueille pas en criant, monsieur, mon copain fait tuto. Merci beaucoup. C'est très gentil. La vache. J'espère que ça s'est bien passé sur Red Dead. Merci beaucoup, beaucoup. Changer. Salut, Braden. Ouais, c'est bon. Allez, de la science. Pas de soucis. Alors, ça va? J'ai pas suivi peur d'aller marier ou pas? Je suis plus du tout le RP. Je pense pas que j'en prendrai. Voilà. Mais bon. J'espère que ça se passe bien pour toi, en tout cas. Je suis sûr, on n'est même pas censé être là en fait. Ah, y a de la science. Y a la branche surtout. Allez, let's go. Je vais tomber. Il est parti en France, il l'a abandonné. Ah, ouais, il est parti en France. C'est là-bas. Ouais, y a du monde qui arrête le RPG, vous comprenez. La belle là. Et les grosses mouches. C'est une mouche. Ouais, bah continue sur moi. Pourquoi? Mais je t'ai dit, j'ai pas de pissenlit moi. J'ai essayé. Ah, mais... t'as pas besoin, je l'ai pris par sécu. Ah si si. Non, j'ai essayé en fait, ça m'a fait. Dans l'autre sens. Oui, alors d'accord, là où je suis atterri, ça m'a fait glisser d'un côté et d'un côté, puis je suis tombé. Ok, bah c'est pas grave, j'attends. La wipe. Ah d'accord. Sur l'appel. J'ai plein le cul. Alors. Non, je fais que tomber. Ah, c'est chiant. Horrible. Chiant la nuit, on voit rien. Des fois dans des jeux ils sont un peu cléments, tu sais, ils te mettent une petite lune qui éclaire pas si mal. Tu... Et là, elle est claire, mais. Mais ça se passe bien sinon. Ah, bah attends.
mystérieux fog. Ouais, grandis-toi, ça avance. On est. On a fait 3 labos. Bah, 4 labos en fait. On a tout fait. Enfin. On a la formule pour soi-disant redevenir grand, mais il manque le nom d'un ingrédient. Il faut trouver Dr. Tully, en gros. On a que. On a qu'une partie de la recette et on n'a pas du tout encore les ingrédients. Alors, elle est là. Et ça veut pas. Ah si. Et j'ai pu faire. Tu peux sauter beaucoup plus tard. Ah, tout à l'heure, je sautais trop tard. La pente, elle est pas si pentue. Parce que quand j'ai testé. Moi, j'ai rien trouvé. Même ah, une pelle. Ok. Ok, je vois, oui. Toi qui connais bien Dieu, Morgan. Je pense qu'on en est où en genre pourcentage du jeu, mais très très un pourcentage vraiment estimé à la louche. Hein. Je me demandais. Ah, c'est un moucheron de Dieu. Ouais, moi j'ai pas trop envie de savoir. Le passe tout direct. Près de vraiment, il t'empoisonne direct. Ah, il y a une dent. J'ai toujours une pelle, oui c'est vrai. On a mis des tyroliennes partout. C'est vrai aussi. J'ai mis mon masque, ça me fout chier mon chou. Oui. Ah, nos constructions elles sont trop loin. Elles sont vraiment loin. Je te montrerai si t'es encore là, mère. Là, je pense qu'on les voit même pas du tout parce qu'on s'est mis très loin. En fait, on n'est pas très loin de la Tyrolienne, pourquoi pas. Ouais, notre maison elle est là-bas. Ah, on a la vision sur le bac à sabre. Et en gros, on est sur la brique de jus de fruits au bord de l'eau. À le surf, on a un coccinelle, même si maintenant on hésite à faire l'arachné. Le truc arachné, on a amélioré notre stuff, enfin à peu près tout amélioré au niveau 3 ou 4. Et sauf les trucs où il faut débloquer, genre les outils, où là on a plutôt niveau 2 seulement, pour la plupart. Après les fabrications. Je sais pas où t'es, mais je continue à explorer. J'ai trouvé, on a la masse pour tout lit, tout comme ça, mais on l'a pas. Mais... ouais, en fait, bah, j'ai pu descendre et regarder tes bouquins. Et je te cherchais la suite de mon côté pour ça. Bon, voilà, je suis là, il y a un autre sac, en fait, tu dois être sac en sac. Ah, tu as refait le chemin inverse. Ok. Ouais. On peut plus de la moitié. Ouais, mais c'est un peu ça que je me disais. Moi, je me disais à la moitié. Ouais. Mais on essaye de tout bien explorer. Mais il est trop bien ce jeu. Trop bien. On n'est pas encore allé au bac à sable par exemple. Ça va être trop marrant. Ça va être vraiment trop marrant le bac à sable. C'est bon, j'ai réussi à y aller. Avec ma tige. Oh non, moi je peux pas. J'ai pas de tige sur moi. T'as l'air trop bien. Ah. Mmh. Et du sable. Non, c'est pas marrant là-bas. On verra, on verra. En gros, tu vas sur la poubelle la plus proche. Tu. Voilà, le truc. Beaucoup de déchets dans ce cas. Il y a un labo. Bah oui. Je vois rien, il fait nuit. Pas de bestioles en tout cas. Pas la nuit où elles sont cachées. On voit tellement.
De quoi ça? Hein, y a des sables mouvants ou pas? Ouais, peut-être, ouais. Oh, mais on peut monter avec le tuyau. Je vois tellement mal vu que c'est la nuit. Quoi là, Xo? Je pense qu'on peut monter avec le tuyau. Mais j'avais essayé, j'avais pas réussi. Ah. De toute façon, je peux pas venir. Donc bon. Mais oui, après, tu peux te faire une petite construit pour monter au pire. Pas dans Fortnite, hein, espèce de fou. Impossible de descendre proprement. Ouais, sinon, faut... Ah, t'es là-bas, attends. Attends, j'ai deux. Faut que je fasse un saut, ouais. Faut que je le mette vraiment au dernier moment. Non, bah sinon. Trop tard. J'ai pas de ressources. Oh, voilà. Ah, si, un petit peu. Moi, j'ai plein de trucs. Moi, je suis décédé. On est à la fin, mais on galère vraiment à finir, c'est l'enfer. Ouais, c'est vrai que par contre, on voit bien que la difficulté est crescendo. J'ai mis le buzz de recherche le plus proche du coup. Ah bah du coup, je suis dans le bac à sable. Oh, toi aussi, peut-être. Je le fais. Et ouais, t'es là. Là, c'était facile. C'est quoi ce bruit? Il y a un mob méchant. Gardez l'œil ouvert. Un fourmillon, c'est ça un fourmillon. Ah bah il y en a là, ok. Ah putain, il me fait peur. T'as vu comme c'est dégueulasse? Oh, il est hyper solide. Okay. Oh, middle vie en un coup. Attends, je l'inspecte. Fais staillade, il faut une dague. Ok, moi j'en casse dans le labo. Ah, il peut pas aller dans l'eau, c'est bon à savoir. Haha, Nilos. Oh, il attaque d'autres trucs! Trop vénère, ah, ça pète la gueule à tout le monde! Ouais! Je peux pas vous avoir, bah, je ça va, il a pas 15! Allez-y, fourmis, défoncez-le! Les fourmis, montrer une bofesse. Bah les noirs elles ont pas mal de vie. Oh putain. Bonheur. Une araignée loup là-bas. Ah oui, elle est pas en forme pour moi. Ok, merde, j'ai tiré dessus et... Bah oui, tu tires dessus depuis 5 minutes, évidemment que tu veux d'un moment tu la touches. Non mais je la touchais depuis tout à l'heure, ah. Genre je la pensais bloquée. Ok. Donc t'as récupéré le fourmignon, Lox. Oh, elle est là. Elle est là, Lox. Elle est là. Calme-toi. Oh, je suis tellement mal. Oh, il y a un fourmillon qui est arrivé, là. Quelque chose... Elle fait quoi avec ses pattes, là? Elle est moche. Putain, aide-moi. Ah, il y a des trucs partout. Oh, la situation dans laquelle... Aide-moi, putain. J'entends un truc derrière moi, là. C'est tellement l'horreur. Je suis caché en haut. Ah, c'est l'horreur, je la vois là, elle lève les pattes. Hein. Et elle lève les pattes, oui. Fais des trucs, Lox, tu vas la taper. Je vais essayer d'attirer le fourmillon sur elle. M'en fous, je lui jette une bombe. Faut que t'ailles sur l'araignée loup, comme ça il va pop sur. T'as réussi. Ouais, je me suis mise en dessous, elle. L'araignée loup, elle est middle, elle a plus beaucoup de PV. Hein. Elle a plus beaucoup de PV, elle devrait peut-être perdre. Défonce-le l'araignée. Défonce le fourmillon. Attention, elle va peut-être perdre la grosse. Elle a plus beaucoup de vie, mais elle fait tellement mal. Ouais, non mais c'est bien, il est trop chiant, il est encore plus chiant qu'elle. Il est déjà presque mort.
qu'elle, elle avait plus de vie quand elle l'a attaqué. Non, pas moi. Oh, elle est morte. Il l'a tuée, mais on s'en fout, ça nous fait deux pour le prix d'un. Je suis sur l'antenne et elle tourne. Putain! Non, elle est morte. Non, mais ouais, ça me faisait tourner l'antenne du poste. Ah merde! De recherche. Ça me faisait tourner pendant que je visais. On t'a tout récup? Ouais. C'est cool, petite strat. Quelle horreur! Ouais, faut savoir que Morgane, elle est un peu arachnophobe. Elle est pas. Voilà, c'est pas du pire que j'ai vu à ce niveau-là, mais je sais que forcément ça. Là, le fait de se mettre sous l'araignée, je pense que ça. C'est ce ça, que j'ai fait. Tu vois, moi je comprends pas ça. Il y a beaucoup de clips d'Envy en train de hurler, donc t'inquiète pas, t'es pas la seule. Je suis pas arachnophobe, hein. J'aime pas les trucs dégueux. Je suis un peu arachnophobe, tu m'avais dit ça. Non, j'ai dit peut-être, et au final, non. Sinon, je pourrais même pas regarder les araignées. Non, je pense pas. Ah, il y en a un autre fourmillon qui se fait niquer par des. Ah, j'ai une carrière fourmillon. Bon, je pense qu'on est rentré par le bon truc dans le bac à sable, mais et à la fois, je me dis peut-être. Vu que ça n'a pas l'air d'être une zone obligatoire, il n'y a pas de vraie puce et tout, tu sais. Pour le stuff fourmillon. C'est quoi GG? Eh ben les fourmis, elles ont assommé le fourmillon. Elles sont trop fortes. C'est vrai qu'elle m'a fait un peu des tours. Mais elle est stun moi, c'est salope. Les cactus? Mais bouge! Cactus ça fait mal là. Oui. Ouah! Un fourmillon. Oh comment ils peuvent eux, c'est pire que. Ah cette tour il fait. Ah non, je déteste ça monsieur. Ils vont faire chier en fait, cette badée, ils vont pop, ils sont solides, ils font mal et tout. Comme chiant. T'es mort, fourmillon, t'es mort. Je suis avec des potes. C'est bon. Ouais. Moi je vais combattre avec mes copines. Comment on sort de là? En vrai, faut qu'on sorte par là-bas. Je vais explorer. Ouais, ou faut explorer un peu. Un petit peu, tout petit peu. En tout cas, on sait comment y aller. Mais on a perdu nos sacs à dos, quoi. Oh putain, le bâtard. Marrant. Ils m'ont. En fait, ils se mettent dans des crevasses. Oh putain! C'est les fourmillons qui font ça, qui se mettent dans des crevasses et qui font en sorte que tu tombes dans la crevasse. D'accord. Il y en a partout. Hein. Viens, viens où je suis. Il y a un poste, avant-poste du labo de je sais pas quoi. Et le fourmillon il peut pas rentrer. Mais j'étais une fourmi! Oui, moi aussi! Oh putain, il est là! Non, non, il peut pas rentrer. C'est bon. Alors, nu. Quoi? Si, si! si! J'ai dit ça. Mais pourquoi t'as dit ça? Je suppose, je supposais. On a une nouvelle ressource. Je savais pas. Ah, je suis mort. Moi, ce jeu m'a fait devenir arachnophobe. Oh putain. Ah, c'est bon, il se casse. On peut pas nous attendre là. Merci, Envy. Beaucoup. Je me mets un petit band-aid. T'as vu? Attends, c'est un piment avec des lunettes ou je sais pas quoi? Ah bah non, ça doit être des un... fruits chelous. Ça doit être un biceps là, comment ça... Non, je regarde. Ça a rien à voir. Ah ouais, c'est un poivron, un poivron, tenter un autre piment, truc, ouais. Un poivron, un piment, ou peut-être même une fraise modifiée, tu vois, enfin je vois. Attends, ils doivent le dire. Il a parlé de Shrek. Oh ouais. Faut que je boive. Tu les as lootés toi ça. Ah ouais. Et d'ailleurs il y a un truc à analyser. Putain j'ai pas pu lire ce qu'il disait. Il disait que c'était un raté. C'est vrai. Non pas un raté. Non, avec des lunettes de soleil, le cousin du feu de biceps. Oui c'est ça ils ont fait. Ouais c'est ça, ça me fait trop penser à ça.
Oh, il y a du grésillement. Ah oui, il fait trop chaud. Faut se mettre à l'ombre. Mets-toi bien à l'ombre, sinon t'as trop chaud. Grésillement. Ouais, ouais. Il faut que tu te mettes à l'ombre. En fait, la nuit, c'était pas si mal. Le sable est trop chaud, quoi. J'ai du venin d'araignée. J'ai plein de trucs à nailler. Enfin, mais deux comment trucs. On va sortir de là? C'est trop chiant. Tu peux me rejoindre? C'est chaud. Attends, je me mets à l'ombre. C'est bon. En fait, ouais, grésillement. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot, mais c'est coquille. Je veux dire un truc. Alors, on veut bien des tips, mais on veut pas des spoils. En gros. J'ai trouvé un truc là. En gros, il y a une tyrolienne déjà dans le bac à sable. Oh! Et ouais, il y a un truc qui brille ici, je crois. Non? C'est une effet. Il y a des effets. Monte là-bas, ouais, faut monter. Il me suit moi? Et ouais, on suit toi. Pourquoi ouais. Tu vas toi? Parce que en fait, t'es en avant, donc il t'a vu avant moi. Ouais, vachement sympa ça. Tu connais? Vas-y, voir. Je monte. Tu peux monter par là. On s'est regardé les tableaux. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe sur le tableau, j'avoue. On regarde tout. Ah mais comment il est arrivé là? Bah, il était déjà là en fait, je l'ai vu. De loin. Je pensais pas que tu voulais monter jusqu'au bord. En fait, j'ai vu ce truc là. Poteau de tyrolienne, ouais, voilà. Il est prémis, le truc. Non, mais c'est que le poteau. Mais comment on va faire pour l'esquiver, lui? Ennemi des enfers, là. On peut peut-être monter c'est ailleurs. Bon. C'est barré. Vas-y, il ressort du sol. Oh, j'en ai un autre même qui si me c'est suit. Un truc en plastique. Oh, putain, non. Allez, blocage parfait, c'est qui? Ah mais t'es hyper loin, t'as fait c'était pareil. Ouais, je cherche. En fait, j'ai vu une branche sur le bord du truc et je me suis dit, oh, je vais monter à la branche. Ça n'a pas marché. Je commence à avoir la dalle. Je récupère mon sac, y'a rien qui va. Ouais, mais les tableaux ils sont trop marrants. Oui, oui. D'accord, j'ai compris comment on vient au bac à sable en vrai. Okay. Il y a une tyrolienne entre la table et entre la table, le pique-nique et ici. Rien entre la table, le pique-nique et ici, ok. Elles sont déjà posées et je pense qu'il y a juste à les relier en la regardant. Par contre, il y a un fourmillon des enfers là qui me gêne. Oh, éclipse, c'est trop. Ah, mais comment je vais passer? Il va être saoulant. Pas des sacs à dos partout sur votre map parce qu'on est. Moi je suis mort juste avant, donc il y a mon sac et il y a ceux de Didino qui n'a jamais récupéré. Mais le mien, je le vois pas. Ah, s'il est là, voilà, ça c'est le mien. Et ça, c'est Didi. Et voilà. Il faudra 12 cordes en soi. Ça va. Mais. Il faudrait quand même en faire un autre ailleurs. Peut-être, tu sais, entre la plateforme et le bac à sable, quoi. Simplement. Il y a un mixeur aussi, encore. J'ai le champ au sac, quand même, là. Donc, je sais comment on peut rentrer, il faudra s'en... On va faire le truc. Oh, j'ai trouvé un piment avec des lunettes de soleil dans un seau. J'y vais. Un bonbon hot chacha. Hot chacha. Gros bisous, petite Morgane, merci beaucoup pour le raid, c'est mignon. Salut Morgane. Non, c'est ça, c'est que la épicée t'avais déjà trouvé, d'accord. Il va nous
alors le staff pour Mion. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et même en vrai, pour Mion, ça aura pas mal de trucs que j'ai vu. Il faudra y revenir. Alors, t'es par où? Faut que je te rejoigne du coup? Là, je me balade, j'essaie de. Oh, j'ai faim et soif. Vers le château. Mais j'aurais dû me préparer. Attends. Je peux me cuisiner un truc, j'aurais dû le faire. Je vais le faire. Non, moi aussi, je m'en passe la fin, du coup, j'ai la moitié de mon endroit. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Tu as plein de flèches, il se passe rien. Oh, y a un coffre derrière le château fort. Ouais, mais je peux pas trop joindre, il fait trop. Et il faut la clé des douves. Fondu. Bon, mon avis, t'as rien de tenté d'aller dans le château sans le staff, du coup. Ok. D'où fondu, tu sais, fondu, ouais, chaleur, ouais. Tout ça, je pense que, je sais pas. Il y a moyen que ce soit ça, en tout cas, la référence, quoi. Oh putain, il faut juste de l'herbe séchée pour pouvoir préparer à manger. Ouais, moi, faut que je sorte de là, faut que je me dure. Oh non, putain, encore un fourmillon des enfers. Trop chaud. Hop là. Yes. Là, qui se voit, j'ai peut-être un danger. Bon, ouais, je sais pas, faudrait sortir. C'est tout top, faut sortir. Ouais. Non. J'essaie de le construire. Bon, assoiffé, au croupir. Hein. Oh là, je poison. Ok. Comme si l'eau dégueu, ça t'empoisonnait. Manger pour ne pas mourir. Toi aussi, t'as ça? Ouais. Toi aussi, t'entrevois pas une bonne fin, là, pour nous deux? Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais me tuer. Tout de suite et je vais rester au labo. Ah oui, c'est pas con. Et après j'irai chercher mon sac. Je poule une fourmi. Là, viens. Non, poule un fourmi. On meurt en tuant un fourmi. Bon, faut pouvoir. Ah bah sinon tu vas contre les cactus. Ça marche bien. Je me mets au feu. Cactus, c'est mieux. C'est fourmi plus feu, c'est réglé. Ça va beaucoup mieux. Hop. On meurt très vite. Ouh. Ok. Bon, j'ai récupéré celui-là et puis maintenant faut qu'on sorte. Je te suis. Ok, c'est bon, t'es mort aussi, ouais. C'est bon. Ok, bon, on passe par là. Oh putain. Ah oui, c'est une autre fourmilière de fourmi nord. You mind your business, I'll mind mine. Oh la vache. C'est bon. Ok, on y va. Ouais, sur le petit parasol. Let's go. Ok, fais gaffe, t'as le masque à gaz, mais c'est peut-être voulu. Ah ouais, ça l'était à une époque. Ok, c'est une grosse traversée, mais ça devrait passer, ouais, ça. Ok, on enchaîne et on va tout droit là. C'est bon, les formes d'attaque. À l'ombre ici, peut-être vite fait. Y'a pas d'ombre.
pas d'ombre. Il y a un parasol ici. Oh putain. Est-ce que... Ah, t'es mort. Là, c'est un fourmillon. Je me suis abrité du soleil et un fourmillon a pop... Ah putain. Ah ouais, merde. Non, mais je vais résoudre la mort. Ah. T'en mets pas. Faudrait pas, tu vas peut-être pas résoudre celui-là. Hein. Si. Si. C'est bon. Ok. Putain, mais il m'a pop vraiment dessus, quoi. Mm. Ouais, je suis tombé. Non, monsieur cache-couille. T'es gros chien de fourmillon, là. Trop dur, hein. Putain, la vache, ça va être trop chaud. Peut-être faut vraiment voir tracer. Bah, je rush, du coup. En fait, surtout dès qu'on marche sur le rouge, c'est bon, on prend plus de dégâts. Eh. Bon, sur le rouge ? Sur le plastique, en gros, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Okay. Ah oui, c'est que le sable hein, qui déclenche ça. Tous les cailloux soient très chauds. Là. Ah, c'est n'importe quoi, les gars. Bon, j'ai réussi à passer, je sais pas toi où t'en es. Oh, il y en a partout des fourmillons. Ok, non, c'est pas bon. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Rush, rush, et viens à droite. Et cours. Oh putain. Il y en a 4 sur toi. Ah et ouais. Là, il y en a un là. Bon, j'ai pas de vie. T'as combien de vie toi? Tu peux bloquer sur lui? Il y en a plein qui me suivent. Hein. Ouais, c'est juste que je voulais pas prendre le dégât. Parce que moi je tombe direct. Viens, non, mais on se bat pas, Je sais pas. Je t'ai dit, tu peux bloquer juste quand on passe. Sinon, c'était la fin. Bon, ça va, il t'as vu, je t'avais dit que je trouvais que les lavres ressemblaient aux fourmillons, t'as vu, c'est ça, hein, c'est un petit peu ça, bon, plus gros cul. Ouais, mais... ouais, t'as raison. Mais moi j'avais tellement pas ça en tête. Et maintenant je les revois avec leur gros corps et tout, c'est exactement ça. Alors du coup, je suis mort en tombant là-dedans tout à l'heure. Est-ce dans que j'ai un pissenlit? J'ai pas de pissenlit. Non, ouais, dans l'eau, ça, tu prends des dégâts. Non, non, non. Oh, t'as de la chance. Bah, tu pourras peut-être me rester, non, je crois. Non, je fais le tuyau. Je suis juste bien le tuyau. Ouais, mais j'ai fait exactement ça, je suis mort sur le tuyau tout à l'heure. Enfin, comme ça. Non, t'es mort. Voilà. Ça a glissé. Oh, c'est tellement rapide, Lorez. Je vais le mettre, le truc. C'est pas mal quand même. Beaucoup trop rien. Attends, faut que bon, mon sac était. Bah, toi, il était où mon sac? Il était par là? Ouais, il était vers la fourmilière. Attends. Ah oui, il était entre ouais, les. Dans les sacs poubelles. Ah, il est là. Il était là. Après, tu... En fait, quand t'es trop près, tu le vois plus. Oui. Ok, c'est bon. Je te récupère. Ok, c'est en tombant des sacs, moi. Ça sera pas trop chiant, on fera... Je pense que je prendrai un truc de pissenlit, je monterai sur la poubelle, je... Nina. Oh, j'ai pas... C'est pas ça. Mais ça, ça dégage. Drop des trucs, au pire, moi je peux prendre. Ah ouais, non, mais. J'ai essayé, mais le jeu il voulait pas drop. Let's go. Il drop des. Bon, bah je tiens. Des trèfles, on s'en fout. Ok, et donc du coup, on a plusieurs choix. Soit c'est à partir de la table de pique-nique qu'on y va, enfin c'est clairement ça qu'il faudrait faire. Bah, voilà, faudrait se relier à la table de pique-nique. Il faudrait 12 soies aussi. Ouais, 12 soies pour faire le fil. Et sinon, ce qui serait le plus simple, je trouve. C'est de relier enfin la table de pique-nique qu'on relie parce que de toute façon on peut prendre les deux sens et relier ici là le bord au bord du bac à sable, donc faudra juste la prochaine fois qu'on ira y passer table de pique-nique et en plus dans le bac à sable on peut récupérer de la zone 6, j'ai vu un arbre. Mais attends, mais on peut pas directement relier au même endroit parce que moi je t'ai dit j'avais le choix, hein. C'est à dire que celui de la table de pique-nique isolé, c'est pas possible, il est trop caché, c'est...
Il est clairement mis en face de la table de pique-nique, mais il aura pas. Ah, t'es monté sur la table? Ah, t'es monté comme ça? Ouais, pourquoi? Bah, j'ai pas vu. Chopo, je sautais sur les airs. Ça montait tout seul, je vous, je me suis. C'est vrai que putain, je suis monté comme ça, quoi. What the fuck? Genre comme si c'était un. Normal, alors moi je sautais, et puis je me suis retrouvé là-dessus. Ok. Ah putain, je me mets. Attends. C'est ça quand. Ça a été à l'aise dans le jeu, tu sais. Bon, au pire, c'est pas grave, continue en bas, il y a l'escalier, il y a les petits cailloux et tout, juste après, juste derrière. C'est pas vraiment. Un gigantesque raccourci. Bon, les fourmillons, on est plus près. Hein. Ah, il y a la coccinelle, l'armure coccinelle a vite fait son temps. Ouais. En fait, c'est qu'on sent que les dégâts, on pêche, en fait. C'est bien beau d'avoir une armure solide, mais on n'est pas capable d'en tuer un vite quand on en a gros plusieurs et tout. Tu vois, finalement, c'est un énorme problème. Ouais. Après, c'était quoi les trucs? Ah oui, il nous faut des machettes. Mais il nous faut des. En fait, c'est ça, c'est que là, fabriquer. Ah, on pourra faire massico à colle. Ah oui, c'est ce que t'avais débloqué. Oui. On pourra faire l'épée en fourmillon. Oh, mais... Bon, des pinces de fourmillon, il en faut 7 quand même. Et morceaux de fourmillon, il en faut 3, mais on pourra le faire. L'épée, elle est complètement monstrueuse, quoi. On la fera. Ouais, on la fera et on l'améliorera beaucoup. Flèche épicée, on peut faire. Là, ça me saoule leur truc épicé, il faut plein de compos. Après, c'est des flèches à plumes, tout est des flèches à plumes. Bon, après, les plumes, je sais les farmer maintenant. Mais ouais, faudrait que j'aille en farmer un peu. Dans les tunnels infectés, là, il y en avait plein. Ok, t'es bientôt là. Tu vois, moi, je pense qu'on pourrait faire. On va essayer au pire de relier l'autre tyrolienne, si c'est celle qu'on a plus trop besoin. Je savais pas qu'en appuyant sur Shift on monte plus vite à l'échelle. Bon, c'est pas plus rapide que de faire les sauts, mais. Ah oui. Regarde, Lox, la tyrolienne elle est là. En fait, la tyrolienne, je te montre vite fait. Elle est exactement à cet endroit là, tu vois, entre les deux trucs noirs là-bas. Je sais pas si tu vois à peu près. Ok. Et l'autre elle est genre là, près du livre, tu vois. Okay. Et donc, pour ça que celle du bac à sable elle est vraiment reliable que par l'autre. Mais par contre, on peut peut-être relier celle-là avec l'autre. Et au pire, on en reconstruirait une à côté sur la table pour le relier au bac à sable. Tu sais, avec celle qui est là-bas, là, on va essayer. Qui est en. Peut-être qu'il y a. Oh putain, ça fait. Non, il y aura le désherbant qui va faire chier, je pense, avec l'un. On va voir, on va tester. Mmh. Ouais, on va tester. Et sinon, je suis d'en haut de la base, ça se trouve, il pourrait aller jusqu'à la table de pique-nique. Je me rends pas compte. Est-ce que je me disais? Parce qu'il est. Ah bah, il est à peu près à cette hauteur là. Ouais, il y a pas trop de projectiles. Je sais pas, faudra vraiment que le grand chêne bloque. Possible. Ouais. Donc c'est ce câble là. Mais comment on défait le câble du coup? Il est toujours passé les fourmis rouges de la 4. Bah oui, il y en a pas du tout dans la zone où on était. Fourmis rouges, c'est une zone de début. Non, regarde, c'est la base là. Quoi? C'est pile poil dans le truc du caillou. Regarde, on voit même pas le. Oh putain, on peut vraiment remonter maintenant. Ouais, je vais voir directement de là-haut. En fait, c'est ça, si on peut aller. Ah, mais en fait, on a vraiment une petite bestiole avec nous. Oui, t'as vu? Il y a plus Non, j'ai pas fait gaffe, c'est incroyable. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu un petit. Et je pense que la vitesse, elle est fixe du coup. Mais t'as vu, c'est correct la vitesse. C'est mignon. Et là, on monte, on a vraiment pris ceux qui montent, quoi. Il est trop fort le puceron. Mais t'as vu, en plus, je t'en parlais sur, je t'ai dit, ça serait trop bien que dans le jeu, j'ai mis ça. Et je m'en doutais un petit peu. Franchement, je m'en doutais un petit peu. Avec non, l'angle moi, là, j'ai l'impression que. Regarde le pique-nique là, je pense que tu vois déjà quasiment plus la table là où t'es, non? Enfin, si tu la vois encore, mais on a dit l'angle va être pourri. J'avoue.
Ou alors faudra en faire un autre. Ouais, une autre. En fait, en gros, on en a une autre à placer à un autre endroit, tu vois, c'est fou. Peut-être dans la deuxième partie du jardin là-bas, et après on pourra aller au pique-nique avec, et après au pique-nique on pourra aller au truc. Et pareil, on peut pas mettre sur celle de... Ah ouais, bon, de toute façon, elle était un peu bloquée. Mais toi, on s'en fout, on en mettra une genre par là-bas, tu vois, l'ox, regarde. Tac. Ouais, je peux pas, ouais. Je veux pas. Là où j'ai mis mon point, regarde, on en mettra une là-bas, et de là-bas, on fera table de pique-nique. Et de pique-nique, on fera bac à sable. Comme ça, on pourra toujours y aller vite. Ouais, ok. On fera ça pendant que je suis. On verra. C'est que là, partir dans un truc solo comme ça, c'est... Level Asian, quoi, la prise de tête. Ah non, bien lui, ça m'a tourné ma vue. C'est encore à 5h ? Non, là, moi, je vais y aller. Non, on finit cette rentrée. Vous voulez récupérer nos sacs ? Oui, c'est le plus important. Mais ouais, on va faire deux tyroliennes, ce sera bien. En vrai, je pense que je ferais quand même au moins celle là-bas, parce qu'elle est facile. Je prends juste les compos, j'y vais, je grimpe, je détruis un truc pour récupérer 5 embouts ou 6, je la pose et voilà, c'est tout. Ce que j'ignore, c'est juste comment détruire le câble. Si t'as une idée, je suis preneur. Ah bah... Je crois qu'il te le propose, hein, quand tu... Bah j'ai mis ma souris dessus, j'ai pas... Ça m'a, détruire le câble, je... local. Bah, le câble de la tyrolienne, tout en haut. Recycler, tu crois? Non, tyrolienne. Tu peux. Non, fais juste attacher une tyrolienne. Fais juste eux, t'as même pas besoin de détruire le câble. Tu peux en avoir plusieurs à une seule tyrolienne au pire. Ah, d'accord. Genre. Bah là, je peux. Okay. Ah, voilà. Ouais, voilà, faut vraiment faire le poteau. Tu fais. Alors, on demande si. Ouais, j'ai trouvé. J'ai la tyrolienne, tu fais recycler. Plusieurs câbles selon toi? Ah, ça ouais. Ça change le câble. Ah, ok. Ah, ouais, j'avoue, bonne question. Essaye avec celle d'en haut, vite fait. Si tu. Maintenant que tu m'as expliqué. Mais je le relis où? Je sais pas, une que tu peux. Peut-être celle à gauche là-bas, j'en sais rien. Parce qu'il me propose voir si ça. Voir si ça vire le câble, tente le coup. Merde. Ah merde. Shift, shift. Non, t'as pas. Je bah non, j'ai pas. Ah, t'as assez de vie pour ce. Ah bah Damon, désolé. En ce moment, en plus, tous les soirs, franchement, je termine super tard. Ah, tu tombes le mauvais soir. Ouais. D'habitude, on joue minimum jusqu'à 9h du matin. Et là. Là, il faut que je me recale un petit peu, c'est un grand mot. Et puis hein, moi je suis éclaté. Hein. Pire. J'ai quasiment rien dormi aujourd'hui, ma ouais, bah, il faut. Alors qu'on. Tu te couches plus tard, mais il y a un moment où tu peux pas te lever éternellement plus tard. T'as ouais. Forcément des choses à faire. C'est ça. Attends. Ouais, je... Du coup. Mais c'est surtout là, j'ai des queues là, ça me... Je m'attends plein de. Tu sais, j'en profite, je me fais place quoi. Mais c'est vrai que putain. Des fois tu. Somnol devant, je sais même plus ce que je regarde. J'attends, il y en est où? Ouais, tu vois, il me propose un deuxième câble. Ah, tu le vois partir? Ouais, je vois un deuxième câble, ouais. Donc après, il n'y a plus qu'à le compléter, c'est ça? Ouais. Avec de la soie. Ok, bah c'est... Par contre, c'est annulé avec et on X, peut enlever ah, voilà. Le premier câble? Tu peux l'enlever, le premier câble? Là, bah, tu peux faire recycler. Après, je sais pas si ça tombe. Celui de la tour? On s'en fout, de toute façon, il va... Pas le poteau, mais le câble. Vraiment juste le câble. Faut bien que tu le vises. Tu fais X. Oh, c'est bon, j'ai tout récupéré. Dans mon ouais, c'est nice. Bah, c'est... Il est sorti par la bon, j'avoue que ça me semble sinon salaud, mais... Et du coup, ouais, bah, comme je dis l'autre, ça allez, sera pas trop en train de le faire. Putain, je en plus, on a déjà ouais. Tout placé, donc j'aurais juste un de mes thunes là-bas. Ah, mais eux, ils marchent plus jamais, hein. J'ai spammé eux, il a jamais voulu. Ouais. Ouais, en fait, je le spammais déjà depuis en haut, il voulait pas s'accrocher. T'as vu que c'est un petit Zelda là, Kiron. Puis 17 minutes, un petit Ocarina of Time. 3DS merci par contre. Merci pour le follow, c'est très gentil. Oui. C'est un Any% sub 35. Ouais, je sais qu'il est sorti sur 3DS. Il y a 2-3 petits trucs très légèrement modifiés, mais sinon. Moi je l'ai fait sur 3DS, je l'avais pris. Il est très très bien, ça a l'air très propre là sur 3DS. Ouais, il est trop lent. Et ça se fait de bien. De toute façon, les jeux de 64 sur les 3DS, c'est Kleenex. Hein, c'est... Tu Ocarina of Time dans ton lit, c'est toujours cool quoi. Ouais. Je pose mes nouvelles compos. Ouais, éclat épicé et petit bonbon de maïs. Un truc que j'aurais envie de me faire que sur le Steam Deck. Déjà, bah, ouais, c'est un bon truc. Ouais, j'ai tout posé aussi.
Moi j'ai pas fait d'analyse, après je te laissais faire hein, moi perso. Les flèches à la menthe, je les pose dans les trucs de flèches. Et j'ai flèches à la menthe et flèches pitié mais dans la cuisse de chat. Hein. J'ai plein de bouffe. Ouais, moi aussi. J'ai une moisissure chelou. Moi aussi j'avais plein de bouffe, j'ai des mouchons. Les gros chons, c'est bien hein, au final. Clairement. Ok. Et j'ai une moisissure un peu. Et on a trouvé une puce, il saleté me semble. Résistante. Ah, oh, saleté résistante. Que l'on peut trouver sur des créatures résistantes dans le jardin du haut. D'accord, c'était sur une des larves, je pense que j'ai trouvé ça. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire une halftime, mais oui, un vrai plaisir. C'est bon, ça t'a tout posé, t'as plus rien qui traîne. Yep, c'est bon, je vais pouvoir. Parce que en vrai, il y avait des coffres qui étaient pleins, donc c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, mais en fait, j'ai mis vers les coffres de gauche les nouvelles compos. En fait, là, quand je fais trier, ça les repack ensemble, parce que vu qu'on a augmenté avec le Mega Milk Monarch, les stacks, c'est... au lieu d'avoir des 20, t'as des 25. Moi, ouais, je joue à beaucoup de jeux Daemon. Mais là, en ce moment, c'est un peu une semaine only grounded, j'avoue. Mais sinon, je joue à plein de trucs. Ouais, des fois, je joue même à grounded. En attendant de jouer. Des fois, je joue à grounded. Et puis après, pour changer, je joue à grounded. Une streamer, ça va rien. Quitter pour de vrai. C'est marrant ça. Bon, bah c'était cool. Ouais, j'ai gagné. Du coup. Ouais, GG. Va te coucher toi. Ouais, je suis éclaté. Donc je suis quand même content qu'on n'arrête pas hyper tard, je te cache pas. Encore, hein, c'est quand même tard. Hein. C'est tard, mais c'est ok. Mais c'est ok. Moins pire. J'aime bien tellement bien toi, pire. Donc. Très cool, gros net. J'ai beaucoup aimé le concept du jeu. Ouais, le concept, le... au niveau survie, c'est vraiment un jeu qui est très complet, comme on disait. Il est super généreux dans ce qu'il te propose. C'est-à-dire que, en fait, ça va toujours plus loin que ce que tu penses. Dans ces... Et puis, bah, ouais, l'univers est quand même ultra fifou, quoi. Enfin, ça a été vraiment cool pour nous d'y jouer il y a longtemps, où on avait découvert Nature. Oui, c'est ça. Nous, on avait fait. À l'époque, ça consistait simplement à trouver des labos. Il y en avait qu'un, je crois. Non. Ah, il est sorti cette année, hein. Enfin, l'année dernière. Il fallait trouver des labos dans le jardin, mais il fallait trouver juste les postes de recherche, en fait. Même pas des vrais labos, il y avait juste quelques postes de recherche, et il fallait tous les trouver. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait fait, il n'y avait plus vraiment de suite, il se passait un spécial. Là, ils nous ont mis vraiment des vrais labos à trouver, des énigmes, même des combats, des boss, des machins. Non, c'est... Il y a eu vraiment une évolution, t'as l'impression que t'as gagné deux fois ce que le jeu te proposait en contenu initial. Il n'y avait pas d'histoire. Même mais bon, c'était tous les insectes qu'ils ont rajoutés, les crafts. Oh, c'est vraiment fou, c'est trop cool. Ils ont un jeu bien abouti là. Des bisous de VOD au fait. Ciao.